Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de l'année où je vais vous partager mes 5 conseils, mes 5 astuces pour bien finir vos finitions. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo car dans cette vidéo, il y aura un concours. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Je vais vous parler donc du contenu de la vidéo tout au long de la vidéo du coup. Et à un moment donné, je ne le dirai pas bien sûr, je viendrai vous poser une question en rapport avec le sujet. Et ensuite, vous devrez me donner la bonne réponse dans l'espace commentaire en me répondant si oui ou si non, donc réponse A ou réponse B. Et en fonction de la personne qui donnera la bonne réponse, je ferai un tirage au sort et la personne pourra gagner un patron de son choix sur la boutique Enjoy Couture. Bien entendu, on la contactera en message privé pour tout simplement la féliciter de son concours qu'elle a gagné. Donc je suis pas plus longue, je vais commencer avec la première astuce, c'est parti. La première astuce qui n'est pas des moindres, c'est de décatir son tissu. Alors qu'est-ce que ça signifie décatir? Décatir, c'est tout simplement prendre son fer à repasser à vapeur, je précise, c'est très important qu'il y ait de la vapeur, et repasser sur l'envers son tissu avant de l'utiliser. Alors il y a deux possibilités, soit vous pouvez laver votre tissu, dans ce cas-là vous mettez une machine uniquement pour le tissu, parce que si vous achetez un tissu, je prends un exemple, un tissu rouge, et que vous mettez d'autres vêtements avec qui sont peut-être plus clairs, la teinture qui se trouve sur votre tissu va peut-être pouvoir tout simplement teinter les autres vêtements. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc si vous lavez votre tissu, vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faut le laver seul. Pour éviter de faire une machine, moi ce que je vous propose, et c'est du coup tout simplement ce que j'ai appris aussi tout au long de mes études, c'est le décatissage. Et donc comme je vous le disais, le décatissage se fait avec un fer à vapeur. En fait, ce à quoi ça va servir le décatissage, ça va permettre tout simplement à votre tissu de se rétracter s'il doit se rétracter. Donc souvent, on a ça avec le coton. Je vais vous prendre un exemple, le jersey, il va pas se rétracter parce que c'est une maille et donc il n'a pas le même tissage que du coton. Par contre, le coton, lui, peut se rétracter parce qu'il a un maillage en grillage. Je ne saurais pas vous l'illustrer avec mes doigts, mais vous avez compris. Donc il a un tissage qui est un tissage grillage, entre guillemets. Et donc, tout simplement, lui, il va pouvoir se rétracter au niveau de son maillage. Donc, pour éviter de couper, par exemple, votre vêtement dans un tissu qui n'a pas été décati, eh bien, vous devez absolument le faire. Sinon, si vous ne le faites pas, vous risquez tout simplement de laver votre vêtement, donc c'est-à-dire vous finissez votre vêtement, vous l'avez cousu, vous êtes super emballé et tout, vous le prenez parce que vous voulez le laver une fois que vous l'avez porté, peut-être une fois, vous le mettez au lavage et là, en le ressortant de la machine, il est possible que votre tissu, enfin votre vêtement du moins, ait rétréci et donc que vous ayez perdu une taille si vous ne décatissez pas avant. J'espère que c'est assez clair au niveau de l'explication, c'est pas toujours simple à expliquer au niveau des termes techniques, mais comme d'habitude, si vous ne comprenez pas, vous pouvez me poser les questions dans l'espace commentaire. Ma deuxième astuce, c'est de tracer les intersections, surtout quand on fait des points pivots. On va donc passer sur ma table qui se trouve juste ici à côté pour que je vous montre de quoi je parle de façon plus visuelle pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Donc ici, on est sur un rectangle. Quand on passe à la machine à coudre, on va devoir d'abord faire ce côté et ensuite ici, on va devoir s'arrêter et tourner pour pouvoir faire l'autre côté. Pour être précis, il faut absolument venir tracer l'emplacement du point pivot. Donc on se met à 1 cm de valeur couture si vous cousez à 1 cm. Par exemple, si vous cousez à 2 cm, vous vous mettez bien à 2 cm. Ça, c'est très important de respecter la valeur couture de votre patron. Donc on se positionne comme ceci et au niveau de l'angle, on vient tracer une petite ligne. Et ensuite, on fait la même chose pour l'autre côté. Comme ça, quand vous allez coudre, vous savez qu'à cette intersection-ci, donc des deux lignes perpendiculaires, une fois que votre aiguille arrive à cet endroit, je ne sais même plus parler, ça va aller, eh bien vous pouvez faire votre point pivot et directement faire la couture, tout simplement à valeur couture, donc 1 cm en l'occurrence ici, et donc vous allez avoir un angle très très propre. Ma troisième astuce, c'est de repasser entre chaque étape. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand on repasse, on aplatit le travail et donc c'est beaucoup plus simple pour être plus précis. Ça paraît futile, mais par exemple, j'ai déjà vu des créations qui ont été tout simplement réalisées très bien, donc la personne a très bien cousu, etc. Mais au niveau des finitions et du rendu, c'était joli, mais on voyait que ça manquait un peu de précision et d'application.
Quand je dis d'application, c'est au niveau du repassage. Si vous faites tout votre vêtement sans jamais repasser, il y a des étapes par après, une fois que le vêtement sera fini. Quand vous allez devoir les repasser, vous allez un petit peu plus galérer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien repasser entre chaque étape. Pour moi, c'est le secret d'avoir tout simplement de jolies finitions une fois le vêtement terminé. On passe maintenant à la quatrième astuce. Et la quatrième astuce, c'est de bien épingler pour ne pas que des repères bougent. Donc de nouveau, on va retourner sur la table et je vais vous montrer de façon plus explicite ce que je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien correctement. Alors, je vais vous prendre l'exemple ici de deux repères. Par exemple, vous devez coudre, une manche, voilà, c'est ce qui va être plus parlant pour vous. Et il faut absolument que vos repères soient l'un en face de l'autre, qu'ils soient superposés. Donc dans ce cas-là, on vient, hop, superposer les repères, on vérifie que ce soit bien au bon endroit. Et une fois que c'est bon, on vient mettre une petite pince comme ceci. Bon, là je suis sur du simili-cuir, donc j'utilise une pince, mais si vous êtes sur du coton, je vais quand même le faire parce que ben voilà, ici je suis sur un exercice, donc ouais, il n'y a pas de problème. On vient épingler. Pour moi, le secret, c'est d'épingler à quelques millimètres du repère, à droite, comme ceci, et d'épingler à gauche. Donc la petite pince, je l'ai mise pour exemple si vous êtes sur du simili-cuir. Hein, donc voilà, ici on imagine qu'on est sur un coton. Tac. Voilà, donc là mes repères ils sont bien l'un en face de l'autre, j'en suis certaine. Pourquoi ? Parce que j'ai épinglé et donc j'ai vérifié juste avant si c'était bien l'un en face de l'autre, ça l'était. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ? C'est que quand je vais aller à la machine à coudre, je vais tout simplement piquer au-dessus de mes épingles. Alors ce qu'il faut faire très très attention, c'est quand vous passez au-dessus de vos épingles, il ne faut surtout pas passer très vite. Pourquoi ? Parce que si vous passez vite, votre aiguille, au moment de piquer, si elle tombe sur votre épingle, vous risquez d'avoir des dégâts, aussi bien dans la machine à coudre que dans le tissu, parce que vous pouvez faire un trou à cause de l'épingle qui se casse ou de l'aiguille de la machine qui se casse. Donc pour cela, vous faites votre piqûre, 1 cm de valeur couture, arrivez sur la première épingle, vous avancez très délicatement, quitte à avancer juste pour passer l'épingle à la main sur votre volant, vous continuez, et une fois que vous avez passé la deuxième épingle, vous pouvez, hop, retirer comme ceci vos épingles et ce sera bon. Et vous verrez que vos repères n'ont pas bougé. Ils ne seront pas comme ça. Donc là, je vais le décaler sans être au-dessus pour que vous voyez la différence. Mais vous n'aurez pas, par exemple, 5 mm de décalage entre les repères et ça, je peux vous le garantir. Donc, pour les repères, c'est très important de bien les maintenir, vous l'avez compris. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous faisiez déjà cette technique. Si pas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé et si vous aussi, vous l'approuvez. Attention, alerte, question. La question est la suivante. Est-il important de repasser entre chaque étape ? Réponse A, oui. Réponse B, non. Mettez tout ça dans les commentaires, mettez votre réponse et mettez la bonne réponse. Je procéderai au tirage au sort et vous avez jusque mercredi pour participer au concours. Et enfin, on arrive à ma cinquième astuce. La cinquième astuce, c'est d'utiliser un fil de qualité. Je prends toujours le même exemple pour les élèves qui me suivent dans mon cours, vous le savez, pour les personnes qui ne me suivent pas dans le cours, ben, vous le saurez maintenant parce que c'est une petite anecdote que je sors assez souvent quand je parle des différents fils dans mon cours. Quand vous achetez une machine à coudre, très souvent vous recevez deux ou trois petites bobines. Souvent c'est un fil bleu, un fil jaune et un fil rose ou rouge que vous recevez, donc des couleurs primaires, et on vous les met avec la machine, comme ça au moins quand vous voulez démarrer la couture, souvent ce qu'on fait c'est qu'on prend ces bobines là. Le souci, c'est qu'en prenant ces bobines-là, eh bien, on va commencer à coudre. Sauf que comme le fil est de très mauvaise qualité, je pèse mes mots, vraiment, c'est vraiment du fil à prendre et acheter à la poubelle. Il est vraiment de très mauvaise qualité. Je comprends toujours pas pourquoi ils mettent du fil comme ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça décourage les personnes à commencer à coudre parce que le fil est de mauvaise qualité. Ils coudent et la machine, soit le fil casse, soit le rendu du point, donc la finition, n'est pas belle du tout. J'ai eu le cas avec une personne que je connais et je lui ai mis un fil Gutermann directement et je lui ai dit on va tester et je vais te montrer la différence. On a fait le test et la différence elle est flagrante au niveau déjà du fait que le fil ne se casse pas. Donc faites le test chez vous, utilisez un fil de qualité et utilisez un bête fil, vous allez voir direct la différence. Donc c'est vraiment très très important d'utiliser le bon fil, donc un fil de qualité. Il n'y a pas que le Gutermann, il y en a plein d'autres dans les merceries. Vous pouvez bien entendu vous faire conseiller en fonction des merceries, ils ont différentes marques. Donc voilà, n'hésitez pas à poser la question au personnel de magasin, mercerie, magasin de tissus, etc. Et ils vous donneront de bonnes références.
Et petit bonus, ce qui est très important également, le fil forcément c'est important comme je vous l'ai dit, mais ce qui va de soi, c'est de tester son point avant pour être sûr que quand on coud son vêtement, eh bien le point est directement joli parce que comme on l'a testé avant, on sait ce que ça va donner sur le tissu. Quand je dis de le tester avant, c'est important également de prendre les chutes de tissu pour tester dans le bon tissu. Ne testez pas votre point sur un calico si vous allez coudre un jersey après. Ça n'a ni queue ni tête, donc forcément, il faut toujours bien prendre le même tissu pour faire le test. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de participer au concours et n'oubliez pas également de laisser un petit pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous plaît. En plus de ça, ça aide la chaîne à évoluer et ça nous permet toujours de créer de plus en plus de contenu qui vous plaît. Pour toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne, eh bien, bienvenue. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est totalement gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Thank you.